Quelque chose de merveilleux de Shin Sun Ja et Emily Vast. Quelque chose de merveilleux. Shin Sun Jao et Emily Vast. Ce petit chêne de Mongolie est plus petit qu'un écureuil. Il est petit, très petit, mais sa maman est grande, très grande. L'écureuil grimpe à la cime de l'arbre et s'écrie « Quel arbre merveilleux !» Les fleurs du chêne ont éclos et s'épanouissent. Nul ne lui dit quand le faire, mais le chêne sait quand fleurir. Avant que l'écureuil ne s'en soit aperçu, sur chaque branche, des fleurs sont apparues. Dans la chaleur du printemps, la brise porte le pollen loin, loin. Pour donner plus de fruits, le pollen s'envole loin, loin. Pour chaque fleur tombée, un gland a poussé. Quel arbre merveilleux! Croc, croc, croc. L'écureuil fait du bruit quand il mange. Le chêne de Mongolie mange en silence. Il attrape les rayons du soleil avec ses feuilles et boit l'eau avec ses racines. La pluie tombe et le vent souffle. L'écureuil se cache au creux de l'arbre. Les feuilles s'envolent, mais le chêne reste immobile dans la tempête, ses racines accrochées solidement au sol. Tout va bien. Quel arbre merveilleux! Les glands sont prêts. L'arbre ne peut pas bouger, mais eux aiment voyager. Ils quittent le chêne et roulent loin, loin. Les glands sont tous tombés et les feuilles ont jauni. Le chêne se prépare à traverser l'hiver. À l'abri du froid, les écureuils hibernent et rêvent. Quel arbre merveilleux! À l'automne, les écureuils ont caché des glands dans la terre. L'un d'eux fait de petites racines et attend. Attend. Quand viendra le printemps, tu verras pousser ces jeunes feuilles. Et tu sauras que chaque gland peut devenir un arbre merveilleux.